Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de suivre avec nous ce combat des chefs. Le combat des chefs, vous le savez, c'est l'émission jeu culinaire, voire gastronomique de FR3. Marc Bayon et moi, nous avons eu beaucoup de difficultés cette fois-ci à sélectionner deux candidats et même deux candidates parmi toutes les propositions de recettes que nous avons reçues. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer dans le marché commun de la viande. Alors nous avons aujourd'hui du gigot, des pommes de terre, des artichauts de Provence, de belles tomates et des rognons d'agneau. Et donc, dans le marché commun à nos deux candidates, alors, du romarin, du thym, ça sent bon la colline aujourd'hui. Voilà, oui, c'est ça, ça sent bon la Provence, du beurre, du sel, de la farine, enfin, etc., tous les produits un peu annexes. Plus les produits que les candidates ont demandé, en plus des quatre produits que nous leur avons imposés et qui se trouvent là. Bien. Voilà le... Alors, Sylvie et Isabelle sont deux étudiantes, je crois. Sylvie, vous êtes à Aix-en-Provence. Oui, je suis étudiante en droit. En droit. Et Isabelle? En économie, encore. Bon, une fois de la cuisine à l'amateur, vous n'avez jamais exercé dans les métiers de bouche. Ah non. Vous le jurez. Non, très bien, alors ce sont donc deux vrais amateurs. Eh bien, vous allez commencer tout de suite et donc, aidés par vos commis du lycée hôtelier de Bonneveine, à vous donc couteau et ciseaux et attaquer. On va peut-être parler des produits surprises. Oui. Hein? Alors, les produits surprises, il n'y a pas d'avocat, on le jure. Il n'y a pas d'avocat aujourd'hui. Hein? Alors, Sylvie, Isabelle, nous vous signalons quand même que nous vous avons réservé une surprise, la fameuse surprise du chef. Isabelle? Des fleurs de courgettes. De la menthe fraîche. Et? Alors là, attends, je vais chercher une poignée. Et des noisettes. Ça, ce sont les ingrédients surprise. Voilà. Vous devez utiliser dans votre préparation au moins un de ces trois ingrédients. Tous, si vous le désirez. Un peu sur... Mais au moins un de tous. Vous avez déjà une idée, Isabelle? Aucune. Pas encore. Et vous? Je sais pas encore. Pas encore. Bon, eh bien, allez-y. Enfin, ils sont là, on le rappellera. Noisettes, menthe et feuilles de... Les questions, on est en train de se poser des questions là. Alors Isabelle, qu'est-ce que vous allez nous proposer vous avec ce gigot? Je le fais en croûte avec un flan d'artichaut au coulis de tomate. Coulis de tomate. Les pommes de terre, vous allez les utiliser? En gratin dauphinois. En gratin dauphinois. Vous avez demandé en plus des champignons, je crois. Oui, c'est pour faire une petite farce à l'intérieur du gigot. Bien. Et là, vous avez donc préparé des rognons. Oui. Je les coupe. Il faut les éplucher, il faut enlever la peau. Hein. C'est quand même moins amer. Marc, vous voyez avec Sylvie, oui, c'est Sylvie, que alors qu'est-ce que vous allez nous faire, Sylvie? Moi, je vais faire un gigot farci, barigoulette, c'est-à-dire un gigot farci, et puis je vais faire des artichauts à la barigoulette, ouais. Et un soufflé de pommes de terre. Et le gigot va être farci de? De jambon, persil, échalote et rognon d'agneau. Très bien. Et lui, il est rôti entier, farci? Oui, voilà. Très bien. Je farcirai... Et le pommes de terre, vous allez faire un soufflé de pommes de terre. Voilà. Ça, c'est original, c'est bien. Alors Marc, il faut montrer à nos téléspectateurs les gigots qui ont été déshabillés. Mmh. Hein? Vous nous expliquez un petit peu comment vous avez fait? Eh bien, on a d'abord enlevé l'os qui se trouve ici à plat, qui est qu'on appelle le casi. Ensuite, on a enlevé l'os central sans découper le gigot, c'est-à-dire le gigot est entier, on l'a enlevé par l'intérieur. Pour que ça soit plus joli à l'œil, et d'autre part, quand on veut le farcir, que ça reste bien fermé. Opération qui est difficile. Il vaut mieux quand même le faire faire par son boucher ou savoir être sûr que son médecin de garde est bien là ce soir-là, mais sinon en général ça se passe très bien.
Alors là, les artichauts, vous les allez les mettre à cuire comme ça? Non. On va les ébouillanter. Alors on attend que l'eau boue pour pouvoir les ébouillanter 8 à 10 minutes avant. Très bien. Là, on les a mis en attendant. Ok, avec un morceau de citron pour l'empêcher de noircir. La cuisson des rognons, vous avez quelque chose de particulier à nous dire là-dessus? Bah, il faut les faire. Faire un peu de blondir peut-être, non? Oui. C'est vite cuit, hein, les rognons. Hein, Marc, je crois qu'il faut indiquer à nos téléspectateurs également que la cuisson du rognon est très délicate. Ouais. Hein. Le rognon se mange rosé et il faut effectivement le faire revenir à feu très vif. À feu très vif et très peu de temps. Et vous, Sylvie, comment vous allez utiliser ces rognons? Eh bien, les rognons, je vais les faire cuire dans une poêle avec du beurre et ensuite je farcirai le gigot avec. Bon, les candidates ont choisi toutes les deux de faire leur gigot farci au rognon. Elles auraient pu s'en servir pour faire autre chose, pour en faire un petit sauté de rognon aux fines herbes, farcir des champignons, pourquoi pas. Il y avait un tas de solutions. Bon, c'en est une. Et moi, j'ai entendu parler d'un flan d'artichaut. C'est ça? Ah, d'un flan d'artichaut. Ça, je trouve ça très intéressant, très original. J'ai hâte de le voir. Je crois d'ailleurs que Sylvie et Isabelle se connaissent. Hein. C'est exact, vous êtes ensemble à... Oui, on est ensemble à Aix, on est dans la même année de droit. Et voilà. Vous faites de la cuisine comme ça le week-end? Bah oui, et quand je reçois des amis, le plaisir de faire des petits plats. Là, vous allez avoir beaucoup d'amis, hein, toutes les deux, parce que... Ça dépend de vos notes. Alors Marc, nous avons choisi pour ce combat des chefs le gigot d'agneau, car on ne sait plus du tout comment le préparer. C'est très souvent le plat dominical, c'est la pièce de viande qu'on achète aisément pour recevoir quelques amis. Ouais. Et on le met au four et on l'oublie pendant 40 à 50 minutes. C'est un morceau sans surprise qui est toujours très bon parce que le gigot c'est toujours très bon. Et on accompagne ça en général de haricots verts ou de pommes de terre ou de flageolets. Et je crois que bien souvent dans les ménages on tourne autour de ce genre d'après. Et là c'est ce qu'on va peut-être essayer de voir, c'est qu'on peut effectivement le préparer d'autres façons. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de voir à l'heure actuelle. L'idée de farcir, par exemple, est très attractive. C'est tout de même très parfumé. On y retrouve des rognons, c'est une surprise agréable. Oui. Parce que les rognons, effectivement, c'est pas un produit dont on se sert beaucoup. Et finalement, effectivement, farcir un gigot avec des rognons, c'est d'une part original et d'autre part, ça ne peut être que très bon. Là, on voit Sylvie qui est en train de se battre avec sa poêle et ses rognons. Et... Mmh. Mais apparemment, ils sont saisis. Ça se passe très bien, ils sont saisis. Donc, le danger du rognon, c'est que si vous ne le mettez pas dans une graisse assez chaude, il s'écoule et ça devient, en exagérant, du pot-au-feu de rognon. Et ce n'est pas le but recherché, évidemment. C'est ça. Et une fois qu'il est cuit, il faut le laisser dans la poêle ou le sortir? Il faut le sortir de la poêle et le mettre peut-être sur une grille ou sur une assiette retournée, de façon à ce qu'il s'écoule un peu. Alors, je crois qu'Isabelle nous prépare. C'est la pâte là, vous? Non, c'est une pâte à crêpes. Pâte à crêpes, bon. Pâte à crêpes. Ah, expliquez-nous. Expliquez-nous pas comment on fait la pâte à crêpes, parce que je pense que c'est tout le monde sait la faire, mais à quoi vont servir ces crêpes? Ça, c'est peut-être plus intéressant. Eh bien, je vais recouvrir le gigot d'une crêpe avant de faire une pâte feuilletée par-dessus. Oui. Pour que la pâte feuilletée tienne bien, il faut une crêpe. Ah! Eh bien, ça c'est une boîte secrète alors. Hein. C'est une boîte secrète, c'est classique. C'est, en général, on le fait sur toutes les pièces qu'on veut mettre en croûte. D'abord, pour isoler la partie de la viande et empêcher l'humidité de remonter sur la pâte, qui elle, la pâte, aurait tendance à se répandre. À se répandre. Et c'est simplement par isolation thermique et. C'est un isolant, c'est un isolant. Ouais. Alors là, vous voyez, Marc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes filles en cuisine. Oui. C'est quand même agréable parce qu'on a tendance à dire que les jeunes femmes aujourd'hui ne font plus la cuisine. Eh bien, ils sont loin de leur fourneau. Regardez comme c'est magnifique aujourd'hui. Oui. Tiens, regardez Sylvie, le hachoir. La technique du hachoir. La technique, elle a assimilé. Attention les doigts, Sylvie. Si la semaine prochaine il y a un examen, vous ne pourrez pas tenir le stylo. La meilleure technique, il ne faut pas donner le mouvement de roulis au couteau. Ah bon? Il faut simplement lui donner un axe qui est ici, par exemple.
et simplement par rotation le faire venir, mais pas chercher à faire fin. Okay. Parce que ça, c'est un coup, ça va. Un éclat, vous le tenez bien par le bout, là, bêtement. Et vous le faites tomber à plat, sans chercher à le ramener. Ok. Elles sont douées, nos candidates, hein, aujourd'hui. Ah. Sylvie utilise le tarn de la colline. Oui. Ça, c'est merveilleux. De l'ail aussi, oui. Romarin. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, là, dites-nous. Avec le hachis, je mets des herbes de Provence, romarin, thym. Alors, vous faites un bouquet garni ou bien vous le pulvérisez? Non, je vais mettre le manger avec. Ah bon? Fais attention au petit bout de bois, peut-être. Hein, oui. Oui. Alors, je vois que vous battez un œuf, c'est pour mettre dans la farce, je suppose? Oui. Et qu'est-ce que cet œuf va faire dans cette farce? Eh bien, ça va lier, surtout tenir la farce, à la mesure où, quand je couperai le gigot, pour que la farce tienne bien avec les tranches. Voilà. C'est tout à fait exact et c'est une bonne idée, effectivement. Cette farce m'a l'air bien appétissante et bien colorée. Alors, on peut rappeler qu'on a mis du jambon. Du jambon, du persil, des échalotes, et des herbes de Provence, et du sel et du poivre. Et l'œuf que nous venons de mettre. Et l'œuf que je mets. Et la farce, eh bien, le gigot va la recevoir. Voilà. Très bien. Et cette farce, je vais la mettre à chauffer, enfin, de façon à ce qu'elle fonde. Oui. Un petit peu. Vous allez la faire revenir un peu au beurre. Voilà. Vous pouvez la mettre d'un seul coup, ça va annuler la surchauffe. Eh bien Marc, pendant que Sylvie donc fait revenir sa farce, nous allons recevoir sur notre plateau Gilesa, qui est notre chef invité aujourd'hui. Monsieur Géda. Guy Géda, qui est vice-président de l'Académie française de cuisine, c'est ça? D'accord. Gilesa, qui est un Varois de Bormes-les-Mimosas, il a d'ailleurs écrit un livre sur son village, mon village hier. Ce sont des contes de Provence. D'anecdotes et de contes. Bien. Vous avez vu, nous avons des candidats. Alors, on dit que les femmes ne sont pas en cuisine. Regardez comme elles sont magnifiques aujourd'hui. Et ça fait plaisir que ce sont des jeunes qui parlent de la cuisine et qu'elles sont aussi passionnées. C'est merveilleux. Et comme quoi la cuisine française n'est pas morte, ce n'est pas le fast-food qui abattra notre cuisine. Bravo. En tout cas, regardez, elle nous propose des choses bien sympathiques. Très sympathiques. Hein? Il est regrettable pour la Provence qu'elle n'emploie pas. Attendez, c'est pas fini. Vous allez voir, elle ne demande rien dit d'ailleurs. Hein, ah oui, je croyais qu'elle ne prendrait pas. Je crois qu'Isabelle a voté pour la menthe. Oui. Ça c'est définitif. Alors, eh bien, écoutez, on va vous donner la menthe. On va vous offrir la menthe. Elle n'a pas encore de cuisine. Authentique. On va peut-être pas tout lui donner parce que Sylvie peut en avoir peut-être besoin aussi. Et vous, Guy, qu'est-ce que vous auriez utilisé comme ingrédient surprise? Ah, la fleur de courgette, c'est extraordinaire. Puis ça rappelle toute mon enfance. J'aurais pu faire tout bêtement des beignets de fleurs de courgette. C'est très simple, mais enfin, comme je vois, elles ont des champignons. Du jambon, on aurait pu hacher ça et farcir les fleurs de courgette, ça aurait eu une garniture extraordinaire, surtout avec le gigot. Et les noisettes alors? Il y a différentes possibilités de servir des noisettes avec les produits dont nous disposons. Et bon, c'est un mariage heureux avec les fonds d'artichaut, la noisette. Oui. Et on peut aussi la pulvériser, s'en servir pour simplement lier la sauce du gigot. Ça donne un petit goût de praliné noisette, c'est pas désagréable avec le gigot. Ah, Isabelle, alors ça, le gigot est farci, hein? Oui, avec les rognons et les champignons. Donc avec les rognons et les champignons, on voit d'ailleurs les champignons qui sont par là, très bien. Alors maintenant, vous allez le fermer pour empêcher évidemment de cette farce de sortir. Alors ce qu'il faut faire, c'est peut-être pas trop le serrer au début. Hein? La ficelle l'a passée là, non? Là, voilà. Lui donner un tour de ficelle ici, et après le ficeler dans l'autre sens.
Pigeda, c'est l'agneau de Sisteron. Voilà, on parle toujours du présalé, de l'agneau présalé, mais nous avons en Provence nos moutons de Sisteron qui mangent le thym, le romarin, et je crois qu'il faut surtout parler de nos moutons. Ils ont lu Giono. Ils sont excellents et un parfum extraordinaire. Ils ont lu Giono même. Ils ont même lu Giono et pas que Giono. Et Guy Geda aussi avec ses contes. Peut-être. Hein. On va mettre encore un petit peu de farce et voilà. On va mettre un petit peu de farce. Peut-être, je crois qu'il faudrait arrêter parce que la cuisson, ça va se développer et ça va sortir. Ça, ah oui, dans une cuisson, la farce a tendance à gonfler et à prendre un peu plus de volume. Voilà. Donc là, c'est la chair qui se rétrécit, ce sera le gigot qui va automatiquement se rétrécir et la chair qui se développe. Et la farce qui se développe. Et comme disait M. Djeda tout à l'heure, il reste apparemment un peu de farce. Moi, je la verrais très bien quelque part. Ah, voilà, voilà. Voilà. Hein, voilà. Alors Sylvie, toujours pas inspirée par les ingrédients surprises. Je vais peut-être prendre de la menthe aussi. De la menthe aussi. Bah, décidément, alors on vous la met de côté. Oui. Très bien. Et là, c'est le gratin dauphinois qui est en train de prendre tournure. Alors expliquez-nous comment on fait ce gratin dauphinois. Bah, on prend des pommes de terre, on les émince. Et ensuite de quoi on prend un plat, on le beurre, on le frotte d'ail. On met des couches de pommes de terre et des couches de crème fleurette par-dessus. On sale, on poivre, on met au four. Voilà. Une bonne heure et demie. Et on met du gruyère ou pas de gruyère? Souvent, les gens se posent la question. Dans le vrai gratin dauphinois, on met pas de gruyère. C'est exact. Et c'est une garniture idéale pour l'agneau, le gratin dauphinois. Et sinon, les pommes de terre, on pourrait les utiliser comment? Eh bien, comme Sylvie, hein, qui est en train de nous faire un soufflé de pommes de terre. Ah, un soufflé de pommes de terre, ça c'est pas mal. Les pommes de terre, on peut les faire sauter, on peut les farcir, des pommes de terre farcies. Il y a bien d'autres façons de se servir des pommes de terre. Voilà. Isabelle consulte ses notes. Oui, on les tourne. Ça va. Dans une feuille de casseur de. Elles ont droit de regarder leur CV, il n'y a pas de problème. Bon, Sylvie et Isabelle, donc, nous font aujourd'hui, pour Sylvie, un gigot à la barigoulette. Gigot farci à la barigoulette. Avec un gratin de pommes de terre. Avec un gratin de pommes de terre. Bien. Et Isabelle alors... Et Isabelle nous fait un gigot également farci, mais avec simplement une farce de rognons et de champignons, qui sera garni d'un gratin dauphinois. Et de flancs d'artichauts au coulis de tomates. Et ça, les flancs d'artichauts, j'attends ça avec impatience. Et oui, elle n'a pas encore préparé son appareil, apparemment. Je crois qu'elle attend qu'on s'en aille parce qu'elle ne veut pas nous donner la recette. Alors là, on est en train de faire revenir les lardons et les oignons. Ça, c'est pour le mettre dans les artichauts. Très bien. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez, Sylvie? Et le vin du pays, c'est du vin le blanc. Le vin du pays, c'est du vin blanc. Hein. Voilà. Nous avons mis du vin blanc pour vous. Où est notre blessé? Pour votre, voilà. Ah, la blessée, là. Allez. On souffle pour atténuer la douleur qui est vive. Allez. Impeccable. Bravo. Merci. Et elle continue. Hein. Où est le gratin dauphinois, là? Eh bien, il cuit doucement sur le fourneau. Effectivement, il y a deux possibilités. On peut effectivement soit le faire cuire au four dès le départ, soit le faire cuire presque à cuisson complète pour le fourneau. Isabelle, il faudra rajouter un petit peu de crème dans votre gratin. Regardez, il se dessèche, le malheureux. Si j'en avais. Ah, de la crème, bien sûr, on va vous en trouver. Sylvie, vous n'oubliez pas que vous avez un ingrédient surprise. Vous l'avez choisi? Oui, je pense que c'est la menthe. Oui, je pensais que c'est la menthe. On la mettra avec la barigoule, on la mettra quand même. Je crois que Gérard a choisi que c'est de la menthe. Ils ont choisi toutes les menthes, oui. Dans la sauce. C'est quand même dommage pour ces jolies fleurs, hein, quand même. Ah, mais après, pour manger. Elles vont avoir un sort qu'elles ne méritaient pas. Bon, alors, disons à nos téléspectateurs ce que nous, on aurait fait avec ces fleurs de courge. Allez, Guy Geda, vous êtes désigné. Oui, mais enfin, il y a tout, c'est-à-dire qu'elle a. Une farce qui reste, elle aurait pu donc
hacher du jambon, ça c'est un peu de la mousse de foie de volaille, on aurait pu en mettre pas énormément. Alors montrez-nous, Guy. Vous mettez alors, le reste de la farce aussi, Guy. La cuisine, c'est beaucoup d'imagination aussi. Hein. Alors, il restait cette farce qui est excellente. Nous avions de la mousse de foie de volaille. Mousse de foie de volaille. Tout simplement. La farce, elle est un peu sèche. Un peu sèche. Donc l'après de cette mousse va rendre la farce beaucoup plus onctueuse, voilà. Souple. Ah, là, je crois qu'il y a un problème. Il faut trouver. On n'a pas un récipient pérant. Ah. Marc, que se passe-t-il là? Eh bien, on a choisi un récipient qui était pas de taille à recevoir le poisson cloué. Alors Guy, pendant ce temps, vous avez donc préparé d'autres fleurs de courgettes. Vous en avez donc le pédoncule pour enlever un peu de voilà. Et ce piquant. Et le piquant. Et, parce que c'est vraiment piquant. Hein. C'est vraiment piquant. Mettez les doigts dessus. Non, je n'y tiens pas. Il y a déjà un blessé dans cette émission. Ça pique. Voilà, alors voilà. Nous allons mettre cette farce dans une poche et une douille et on remplit. Et par la suite, on rabat le haut de la fleur et on fait cuire ça dans un jus au four, dans un tiers. Ouais. Les tiers de Provence, les tiers de fleurs de courgettes de Provence. Alors ça, c'est la farce de la barigoulette. Hein. Regardez, il y a de la tomate, des carottes, tout ce que nous avons dit. Carottes, la poitrine, ça sent. Ah oui, ça sent la colline encore. C'est très chaud dessous. C'est très chaud, attention. Hein. Voilà, alors donc Sylvie va farcir, donc, et farcir même ses artichauts aux barigoulettes. Là, on les lave pour enlever éventuellement le sable. Le sparadrap pour voilà. Oui. C'est bon là. Bah oui. Bon. Voyez Sylvie, qui j'aide à trouver une astuce pour l'utilisation des fleurs de courgettes. Regardez comme voilà. C'est et en bon. Utilisant les restes. Et en utilisant les restes. Votre gratin, Isabelle, est presque. Dans un plat qui ne revient pas trop cher, une garniture qui ne revient pas trop cher. Voilà. Alors là, ces fleurs de courgettes, vous allez les mettre au four. Au four, on va trouver une petite sauce, on va. Ah oui. On va. Ah, ça s'arrête pas là. Oh. Oui, c'est presque, c'est une. Il faut quand même un petit jus un peu. Oui. Peut-être que Sylvie va nous donner quelque chose. Ça va faire une garniture de jus originale. Originale, oui. Non, faut que je les mette. Ah. Alors Sylvie vient d'ajouter sinon, le vin blanc dans sa barigoulette. Il y en a que 4 partent là sur. Il y en a que 4 sur un feu, là. 2. 4. Pour l'instant, il n'y a pas de feu. Pour l'instant, il n'y a pas de feu. J'en ai que 4. Vous n'avez que 4. On les met casserole sur le feu, hein, et couvert. Oui, et couvert. Bon. Ouais. Alors. Bon, on va voir après. Ah, la touche en plus, le champignon voilà. Pour fermer la parenthèse. Voilà, ça y est, très bien. Le champignon couvre l'artichaut barigoulette. Et la cuisson, alors un peu de vin blanc. Alors un peu de vin blanc. Un peu d'eau. Oui. Un peu d'eau ou un jus d'agneau ou un jus voilà, de bœuf qui vous en reste dans rôti d'hier ou d'avant-hier qui vous donnera encore un goût. Nous sommes devant les flancs d'artichaut. Isabelle, comment avez-vous réalisé cet appareil? Ben, on prépare des flancs d'artichaut. On fait d'abord bouillir dans de l'eau salée, bien entendu, pendant une vingtaine ou trentaine de minutes. Et à la suite de quoi, on les mélange avec des œufs et de la crème fraîche et on passe le tout au mix. Hein. On beurre des ramequins, on les met au bain-marie une demi-heure. Allez, il faut les enfourner là. On va les enfourner. Le temps passe, nous allons. Alors, il ne faut pas trop chaud, hein, puisqu'il ne faut pas que l'eau boue. Sinon, ça fait des bulles partout. Ça fait des bulles partout. Et combien de minutes à peu près? Entre 20 minutes et une demi-heure selon le. Attends, 20 minutes, une demi-heure. Peut-être là, ce sont des pires ramequins, 20 minutes, je pense que c'est suffisant. Ce qu'il faudra peut-être faire, c'est à un moment les couvrir avec un papier d'aluminium, de façon à ce que le dessus ne dort pas. Alors Sylvie est en train de monter son soufflé de pommes de terre. Alors comment on opère, Sylvie, là?
Eh bien, on a fait une purée toute simple de pommes de terre. Oui. Ensuite, on incorpore des jaunes d'œufs. Là, on a incorporé 4. Oui. Ensuite, on monte les blancs en neige. Et on incorpore les blancs et cette purée, cette sauce. Alors, la purée, c'était, vous avez dit, 4 jaunes d'œufs. Pour combien de pommes de terre? Environ 300-400 grammes de pommes de terre. Et des blancs d'œufs, combien de blancs d'œufs? Pareil, 4. 4. Très bien. C'est 3 fois 4, on s'en rappelle facilement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, qui emportera donc ce trophée du Combat des Chefs? Nous sommes à quelques minutes de la dégustation et nos deux candidates se sont bien battues jusqu'à présent, n'est-ce pas, Guy? Qu'est-ce que vous en pensez? Elles nous ont proposé de belles choses. Oui, je crois que ça va être vraiment excellent et notre travail maintenant va commencer, ça ne va pas être facile. Bon, alors, un gigot en croûte. Hein, un gigot en croûte avec des flancs d'artichaut. Ça, c'est pour Isabelle. C'est pour Isabelle. Avec des flancs d'artichaut et un gratin dauphinois. Et un gratin dauphinois. La note originale étant le flanc d'artichaut. Étant le flanc d'artichaut, effectivement. Et elle a utilisé la menthe déjà pour lancer ses ingrédients surprises. Je crois que la menthe va lui servir à parfumer les coulis de tomates qui ira avec les flancs d'artichaut. Très bien. Quant à Sylvie, eh bien, c'est un gigot farci aussi. C'est un gigot farci au rognon et avec des artichauts à la barigoulette et un soufflé de pommes de terre qui va voir le jour bientôt, je l'espère, parce que là on n'est pas loin des temps. On n'est pas loin des temps. En tout cas, avec un gigot d'agneau, quelques rognons, des pommes de terre, des tomates et des artichauts, eh bien vous voyez ce que ces deux étudiantes en droit ont réalisé devant vous. En peu de temps, en 2 heures, en 2 heures, une demi-heure d'émission. Je crois que, sans anticiper le résultat, déjà on peut dire que la cuisine française se porte bien. Je comprends. Bah, il ne reste plus qu'à enfourner. Et voilà, et nous allons passer à la dégustation dans quelques minutes. Nos candidates ont terminé leur cuisson, c'est apparemment très, très réussi. La dégustation les départagera. Nous avons donc déjà ces deux plats bien présents. Il faut, je vous le rappelle, les noter sur leur originalité et leur présentation. Monsieur Jean-Luc, nous vous avons communiqué donc ces notes déjà. Et apparemment, donc déjà, Isabelle est en tête de 6 points sur Sylvie. Pour la présentation et l'originalité. C'est l'originalité donc, seulement. L'originalité. Ah bon, il reste la présentation encore. Je crois que je vais aller doucement pour ménager le suspense. Pancichot est très bien réussi. Il est bien réussi, Pancichot. On sent bien la rigueur. Ouais. De haut niveau. Ouais. Mais le gratin dauphinois me paraît vraiment très bon. Dans la sauce. Alors dans la sauce, il y a du madère et de la mousse de foie de volaille. Mousse de foie de volaille, oui. Soufflé pomme de terre, c'est bien, c'est original aussi. Oui. Hein, c'est assez léger, oui. Là, on retrouve la menthe aussi dans la sauce. Hein. Non. Ah oui, là, très fort. Là, très fort. Hein. Bon, la cuisson me paraît bien aussi. Hein. Les artichauts. Les artichauts, l'inconvénient que nous disions tout à l'heure. Voilà, l'inconvénient, c'est que les feuilles sont vraiment trop de feuilles. Voilà. Pour les manger, il y a problème. Voilà. Tout se joue à 6 points près. Oui. Hein. En dégustation, Sylvie a 152 points. Jolie note. Pour l'instant, Isabelle donc avait 6 points de plus que Sylvie. Vous allez avoir du monde chez vous, hein, je vous signale. Hein. Car vous avez réalisé de belles choses. Hein. Ce n'est pas encore qui va gagner. Mais de toute façon, vous voyez que le jugement est difficile à établir. Hein. 100. Aïe, aïe, aïe. Voilà, mais je crois que c'est donc Isabelle qui est proclamée vainqueur de ce combat des chefs. Sur la présentation de l'originalité, là, il y avait vraiment une courte tête. Hein. Ah oui. Sylvie, vous n'êtes pas trop déçue? Hein, vous pouvez quand même la cuisine avec votre ami encore. Comme ça, vous la laisserez faire maintenant. Voilà. C'est-à-dire que c'était deux amis, mais je crois qu'elles vont se fâcher.